L'affichette était pourtant claire à l'ouverture des classes, mais 2 heures plus tard, avec sa disparition, le grand flou revient planer sur les écoles rouennaises. Si officiellement, depuis lundi, la règle reste bien l'ouverture, certains établissements se contentent d'un simple accueil des élèves au cas par cas, au gré des vents mauvais et des drôles de découvertes, comme celle d'un objet suspect ce matin dans la cour de l'école Franklin. Résultat, c'est à l'école Brière voisine que les parents inquiets ont dû venir rechercher leurs enfants. Mais ça devient pénible de devoir toujours faire soit les allers-retours pour venir les chercher. Moi, je trouve qu'on est dans, on n'est pas du tout informé de tout ce qui se passe sur Rouen. Je vous avoue que c'est vraiment très, très stressant, surtout pour les enfants, puis bah aussi pour nous, quoi. Il y a des débris carrément, donc c'est pas juste une question d'odeur, en fait. Donc on se rend compte que bah, soit ça n'a pas été nettoyé, soit il y a toujours des choses qui volent. Et donc du coup, effectivement, c'est pas inquiétant. Moi, j'ai 3 enfants, dont un bébé. Effectivement, je suis pas très, très rassurée quant à ce qui se passe, quoi. Pourtant, aucune trace d'amiante détectée. D'après la mairie, un grand nettoyage a bien été fait ces dernières 24 heures et un autre est reprogrammé pour lundi, aux aurores. Mais au vu de la psychose ambiante, certains enseignants et personnels d'établissement réclament maintenant un protocole global beaucoup plus clair. Il y a beaucoup d'élèves qui, nous, ont été malades mercredi quand le collège a été touché et on estime que, qu'il y ait l'odeur ou pas, il faut qu'on ait des éclaircissements, qu'on ait des garanties sur le suivi de la santé des personnels, des enfants, sur la longue durée. Venus en délégation du collège Jean Le Canuet, ils sont pourtant ressortis de l'inspection académique un peu déçus. Tout le monde est dans le flou et que du coup, tout le monde soit on croit ce que peut dire le préfet, soit on observe qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et donc forcément, on a du mal à s'entendre. En attendant, plus de réponses, ils ont bien confirmé leur préavis de grève. Pour lundi matin, d'autres établissements pourraient bien les suivre.